On va faire un petit jeu genre pour s'échauffer là. T'es prêt? Dis à voix haute la couleur dans laquelle le mot est écrit. Genre du style là, il y a écrit le mot kangourou en bleu, donc tu dis bleu, pas kangourou. Ah oui, à vif comme ça, on est chaud. Ce que tu viens de subir, c'est un effet d'interférence sémantique, ou encore appelé l'effet Stroop, qui est la lecture automatique du mot. Ah oui, non, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler du fameux locus of control, ou le locus de contrôle en French. J'ai parlé du locus de contrôle dans ma vidéo Draw My Life sur l'évolution du avant-après. Si tu l'as pas vu, tu peux aller la voir, ça me fera très plaisir. C'est une vidéo tout en dessin. Ça va, je vends mon travail avec amour. Et comme vous m'avez beaucoup demandé de parler du locus de contrôle, j'ai décidé d'en faire une vidéo, ce qui n'est absolument pas vrai. Tout le monde s'en bat les couilles, personne m'en a parlé, mais c'est quelque chose que j'ai appris à la fac, du coup, vu que je suis en troisième année de psycho. Je l'ai appris l'année dernière et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, faut que je l'apprenne à d'autres gens. Et c'est toi. Je vais vous présenter donc deux profils et vous me dites si vous êtes plus A ou B. Tu ne crois pas trop à la chance, au hasard, au destin, au paranormal et à la superstition. Tu penses que les événements dans la vie des gens sont causés par leurs propres choix et sont totalement sous leur propre contrôle. Quand tu n'atteins pas un objectif, tu te blâmes énormément, ce qui te donne une volonté de toujours mieux faire et de ne jamais baisser les bras. Tu te remets en question tout le temps et tu veux vouloir tout contrôler pour réussir. Pour le profil B, tu penses généralement que les événements dans la vie des gens sont causés par des forces extérieures et sont hors de leur propre contrôle. Tu utilises beaucoup de phrases du genre « Dieu le veut », « c'est le karma », « c'est la vie », « la nature », bref, j'en passe. Ou « c'est les mecs », « c'est les meufs ». Tu crois qu'on est né en étant doué et que c'est fixe, que ça n'évolue pas. Tu blâmes souvent tes échecs avec des facteurs externe. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus A ou B, mais avant de vous révéler ce que c'est, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Dans la vie, c'est obligé que tu connaisses, ou c'est peut-être toi sans le savoir, la personne qui à chaque fois que tu fais un reproche te répond « Non, c'est à cause de, c'est parce que... » Et non. Alors je suis pas là pour juger, pour dire « Toi t'es une merde », on est là juste pour apprendre à être plus heureux. Donc si tu te reconnais ou que tu reconnais quelqu'un dans cette vidéo, soit tu lui envoies, soit t'écoutes attentivement. Donc je vais vous donner un exemple tout bête qui m'est déjà arrivé et dont je me suis questionnée. J'avais un rendez-vous à la banque. Je savais que de chez moi à la banque, il y avait à peu près 15 minutes. Donc je mets mes petites baskets, je vais pour partir et là ma mère m'arrête et elle me dit « Mais tu vas où ?» Je lui dis « Bah j'ai rendez-vous à la banque. » »« Non mais t'es large, franchement de là à là tu peux mettre à peu près 9 minutes, t'as pas besoin de partir aussitôt. » Et donc je me dis « Bah ok, alors j'en profite pour un petit peu discuter avec elle et je pars donc. » Au lieu de partir 15 minutes en avance, et ben je pars 10 minutes en avance. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, j'arrive en retard de 5 minutes à mon rendez-vous. Il y a deux options qui s'offrent à moi. La première, rentrer et dire à ma mère « Ouais, vas-y, t'es relou et tout. Franchement, à la base, j'allais partir plus tôt, mais à cause de toi, ben, je suis pas partie plus tôt. » Ou la deuxième, dire « Ma mère m'a proposé de partir plus tard, j'ai accepté. Alors c'est ma faute à moi si je suis en retard et pas la faute de ma mère. » Parce que dans le fond, je suis libre de lui dire « J'ai pas envie de t'écouter » ou « J'ai envie de t'écouter. » Et même si elle m'a induit en erreur, j'ai fait le choix de l'écouter. Donc c'est ma faute à moi. Et du coup, il y a à peu près, grosso modo, deux sortes de façons de réagir à ça. La première étant de râler et de gronder votre mère ou la personne qui vous a mis en retard en un locus dit externe. Ou, deuxième solution, râler contre vous-même parce que vous avez fait le choix d'écouter la personne. Du coup, locus dit interne. Je sais pas si vous voyez où je vous emmène. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein, vous réagissez comme vous avez envie de réagir à chaud, mais je trouve que c'est important d'y réfléchir plus en détail. Il y a donc ce concept qui s'appelle locus of control. Et qui explique plein de choses sur le comportement humain en général. Le locus of control, de son petit nom loc, est le lieu de maîtrise. Et c'est un concept proposé par Rother en 1954. Et du coup, le loc correspond au lien que l'individu fait entre la situation et les renforcements qu'il reçoit, qui peuvent être par exemple positifs, trouver 10 euros par terre, ou négatifs, te faire voler ton iPhone. Qu'est-ce que tu me dis là? Plus précisément et plus brièvement, les gens qui ont des locus internes et qui t'expliquent que tout ce qui leur arrive, c'est dû grâce à eux, que ça soit le bon ou le mauvais. Par exemple, quand ils révisent pas pour un contrôle, ils disent pas « Ah, je suis pas tombé sur la bonne partie », ils disent juste « J'ai rien branlé, c'est normal que j'ai une mauvaise note ». Et donc, à l'inverse, il y a ceux qui ont le locus externe qui vont dire que tout ce qui leur arrive, c'est dû à une situation, c'est dû à des causes externes. Et genre, en situation externe, il y a par exemple la chance, le destin, la religion, l'astrologie, les intuitions, l'état, etc., etc. Et il va dire des phrases du style « Non, j'ai pas eu de chance à mon examen, je suis pas tombée sur la bonne partie », ou qui vont dire encore « Non, c'est juste que l'examinateur ne m'aime pas », etc., etc., et qui vont trouver des raisons externes à leur échec, plutôt que de dire « C'est parce que
J'ai pas révisé. Et ainsi de suite, là je pense que tu as compris le locus inter next. Enfin bref, il y a quand même une échelle officielle du loc qui existe qui détermine en mode si vous êtes plus un locus interne ou un locus externe. Évidemment, ça marche pour tout, pour les cours, pour le travail, pour l'amour, pour l'amitié. C'est pour ça que je vous dis que ça a changé ma vie. Quelqu'un qui a un locus interne va se dire si je me suis embrouillée avec tous mes potes, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui allait pas. A l'inverse, quelqu'un qui a un loc externe va dire oui, si tous les gens m'aiment pas, c'est parce qu'ils sont méchants et que moi je suis trop gentille. Genre les gens trop bons, trop cons, c'est un petit peu un locus externe. Parce que ça n'existe pas cette citation, je vous jure, elle n'existe pas, je la trouve affreuse. Parce que les gens qui me la lisent à chaque fois, ils sont ni trop bons, mais juste trop cons en fait. Moi j'ai entendu ces phrases par les pires personnes que j'ai connues dans ma vie. Alors que ça arrive de faire du caca, tu vois. En fait j'ai du mal à concevoir comment on peut avoir la prétention de penser qu'on est une bonne personne. Je pense pas que je suis une bonne personne et que vraiment être une bonne personne, j'en connais très peu, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui ont pas d'ego, pas de vanité, j'en connais peu. Le bon et mauvais, etc., etc., c'est juste dans les films, dans la vie de tous les jours, on est nuancé. Donc dans une histoire, même si on pense qu'on a 100% raison, la plupart du temps c'est 50-50, sauf pour les gros trucs. Évidemment, il y a des fois, c'est pas notre faute à nous, par exemple des fois on sort dehors, on se fait écraser par une voiture, évidemment, là ça rentre pas en jeu. Mais pour les petits trucs du quotidien, moi je pars du principe où, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on a tous des biais, on a tous des visions qui sont faussées à cause de tous ces biais et je pourrais jamais affirmer que je suis la bonne personne ou que ma vérité est une vérité absolue. Et je le faisais avant. Mais aujourd'hui, j'ai assez de recul pour me dire ce que tu dis, ça peut quand même de la merde. Même si je le pense fortement. Parce que quand on dit oui, l'autre a pas eu de mauvais karma mais moi oui, mais s'il faut, l'autre, tu lui as fait du mal et elle en a souffert et qu'elle a pas dit, et des fois on mérite, des fois on mérite pas. Mais moi je pars du principe où dans toutes les histoires c'est 50-50. Même quand j'ai souffert. Et le locus d'un individu, c'est pas seulement sa façon de voir les événements, mais c'est aussi très révélateur sur une façon de voir la vie et de réussir des projets, ou de s'investir dans des projets. Reprenons le petit jeu du début, donc je pense que vous avez compris que si vous êtes une personnalité de type A, vous avez un locus dit interne, et une personnalité de type B, vous avez un locus dit externe. Mais en vrai, vaut mieux être interne ou externe? Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, moi j'ai un locus interne, etc. » parce que j'ai fait exprès un petit peu de le mettre en avant, mais c'était une ruse de ma part parce que c'est faux. Il faut ni être interne ni externe. Je vous le dis parce que, je pense que vous en doutez, j'ai un locus très interne. C'est-à-dire que je me blâme pour beaucoup de choses et ça fait que ça me crée beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Je me laisse jamais le repos, je me mets tellement la pression que ça crée beaucoup d'anxiété. Après, on dit que les personnes avec un loc interne ont plus de chances de réussite sur le long terme. Et que les gens qui ont des locs externes ont plus de chances de réussir à moyen terme. Sauf que le problème avec les locs internes, c'est qu'à force de penser qu'on ne contrôle rien, on finit par subir sa vie. Et ça fait qu'en fait, en perdant ce contrôle et en subissant finalement leur vie, ont plus de chances de faire une dépression sur le long terme. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo Drama Life, le plus important, c'est donc de trouver ce juste milieu, de faire une énorme introspection sur soi-même et réussir à être juste, se dire « Là, j'ai échoué parce que j'ai fait de la merde. » Le but de comprendre ces erreurs, c'est d'éviter de les reproduire par la suite. Parce que si vous avez toujours le même schéma, en mode il vous arrive toujours les mêmes choses, pas que vous êtes entouré de cons, alors peut-être que si, mais souvent c'est parce que vous faites quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui fait qui engendre ce genre de relation. Il faut juste se dire « je merde à cet endroit ». Il faut que j'arrive à ne plus merder à cet endroit. Enfin bref, on est tous des êtres humains avec des faiblesses et moins de faiblesses. Et il y a des gens qui sont plus à l'aise, d'autres moins à l'aise. Mais au bout d'un moment, des fois, on fait tous de la merde et c'est important de le reconnaître. Et évidemment, on trouve ce juste milieu entre être trop critique et pas du tout. J'espère que ce petit format vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.